Allez, mat. Yahoo. On était à Madrid du coup, et il y a les gars de la Watt qui nous ont envoyé un message pour nous proposer de faire une petite sortie en nature avec eux. Du coup, bah là, ils nous ont emmené un petit spot de cliff. Donc c'est un 11 mètres, normalement. On ne sait pas, mais on va le mesurer. Mais quand on le regarde, c'est à peu près 11 mètres. Mais l'eau, elle est vraiment froide. Mais ils ont l'air grave déter là. Ils sont arrivés tout à l'heure et ils veulent faire plein de trucs un peu sketchy et tout. Donc on va voir ça. Là, ça fait 11 mètres, ouais. Monte. It's nice. For doubles, it's nice. Ah, il pense à chaque détail. Bah, j'ai pas envie de me prendre ça après le détente là. Wow. Wow. Oh, la fouille. Le spot est cool et en fait on a trouvé un détente, enfin c'est les gars de la Watt qui nous ont trouvé ça. Il y a une table qui est juste avant le saut. One step, two step, and jump. Et du coup si on court et qu'on pose un pied sur la table, qu'on saute par-dessus la barrière, on peut aussi faire le saut. Mais du coup il y a vraiment un détente avant le cliff et ça rend un peu la chose compliquée. Creo que es bueno. Yes. Aquí. I go to the neoprene. La team Watt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une team espagnole de parcours de base. Et en fait, bah, ils font plein de choses, plein d'aventures, plein de cliffs. Et du coup, quand ils nous ont proposé bah, de les rejoindre sur un petit cliff, on a direct dit ok, let's go. Et là, on va passer une bonne après-midi, je pense, à cliffer tous ensemble. T'es ok sur la prep? Ouais, je pense que c'est bon. Franchement, ça part. On avait mis deux lignes. Donc, si t'arrives derrière celle-là, ça le fait, mais c'est chaud. Et si t'arrives là, ça le fait. Donc, moi j'arrive là. Je crois qu'il est temps de partir. Allez, boy! Il était pas large, hein. A passado muy bien. A pasado cerca, ¿no? Oh. Il est passé tellement proche. He was so close. Il était tellement proche. Mais mon élan, il était pas dingue. Et genre là, j'ai bégayé. Je me suis dit, vas-y, j'y vais quand même. Mais du coup, j'ai fait full hauteur et pas de longueur. Genre, je me suis dit, je passe la barrière. Mais bon, ça l'a fait quand même. Ça s'envoie bien. Ah oui, ça s'envoie bien. Bon allez, dernier cliff de la journée là. On va faire un petit trick plaisir avec Mathieu. Elle est vraiment trop froide, genre moi je sens plus mes pieds, j'ai l'impression de cliffer sur deux glaçons là. Mais bon, c'est cool, en vrai il y a eu des nouveaux tricks. Il y a la Watt qui est là, il fait beau, on est en Espagne. Ça fait plaisir. Alors, on va se réchauffer auprès d'un petit feu. Allez. Ah oui.
Ça va, Matt? Ouais, ça va, ça va. T'es un génie. C'est fin de session là. Ok, c'est mort. Il fait trop froid. Les gars, ils sont partis chercher du bois. Ils ont ramené plein de petits trucs là. Ça fait plaisir là, après une bonne session de cliff. On a allumé un petit feu dans un refuge. Ah, là, c'est chaud là. Il se passe quoi là? Bah là j'ai chaud là. Là il fait chaud, du coup ça mon corps il fume. C'est un sauna. Mais il crue là. Waouh. Oh il fume. C'est génial. Pues yo que sé, tío, que hemos venido a grabar hoy un videote aquí y he invitado a los Wishigang a que vengan a este spot, ya que está guapísimo. Me alegra mucho de que os haya gustado y es invierno, hace frío, pero esto en verano puede ser otra cosa. Gracias, let's go. Gracias, muchas gracias, Alfons. On vient de finir la petite session avec la Watt, donc c'était vraiment trop stylé, tout le monde a bien kiffé là. Et puis ils nous ont donné un petit spot de grotte, donc normalement c'est ici. Je me suis fait mal là. Ah mec, je me suis éclaté. Mais il y a des pierres qui, enfin genre j'avais pas vu, il y en a une qui ressort plus que les autres. Et avec ma capuche je voyais pas grand chose. Et en me relevant je me suis pris une pierre dans la gueule, mais genre ça fait vraiment... C'est genre d'apprenti aventurier. Ah mec, mais en fait genre, c'était tellement fort que d'un coup genre ça m'a fait un électrochoc. Non, on est même pas encore rentré dans la grotte que Mathieu il commence à dire ouais, moi je suis claustro et tout. Falaise, je suis pas serein là. Non, mais on est là. Le cliff ça me va, le parcours aussi. Mais putain, les trucs de grotte là, je suis pas serein. Oh, ça, c'est trop de fou. Aïe, ah. Non, mais en vrai, je voyais pas de lumière, c'est horrible. Ah. Ah, je me suis éclaté là. Attends, mais non, ma lumière. Ça y est, on est enfin sorti de la grotte. Moi, j'aime pas trop ces endroits où on est tout recroquevillé, tu dois te faufiler et tout, ça me panique un peu. Mais bon, là, on est sorti, il y a une superbe vue. C'est une super journée à kiffer avec la Watt. C'est des mecs vraiment inspirants. C'était bon délire, donc ça fait vraiment kiffer. C'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé cette petite journée avec nous. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre shop de vêtements. À dimanche prochain.